Dès dimanche, la ville de Cayenne sera en fête. Entre art, mode, sport et musique, plusieurs manifestations se dérouleront sur tout le territoire de la ville capitale. Cayenne cherche pendant ce mois de festivités à mettre en valeur son patrimoine. Nous voulons vraiment, à travers ce mois, mettre en avant tout ce que notre ville capitale peut apporter en termes donc d'événements culturels, de manifestations d'envergure. Et donc, pour décliner toutes ces manifestations, il nous faut bien un mois. Pour atteindre son objectif, la mairie de Cayenne fait appel à plus d'une dizaine d'associations, chacun dans leur registre propre. Les associations sont au cœur de cette vie culturelle. Ce sont les associations qui dynamisent le tissu culturel. Par conséquent, ces associations ont une place importante et donc sont au cœur de notre programme. La Vie d'Ambois, présidée par Yvan Oyoufat, fait partie des associations qui ont sollicité la ville. L'association organise dès jeudi son festival Bouchi Kandisama sur la place des Palmistes. Pour Yvan Oyoufat, le but est clair. Continuer la tradition musicale à Loukou et aussi la grande fête des Bouchi Kandisama, qui d'ailleurs cette année a pris un essor, puisque à Saint-Laurent, nous avons une association qui réalise les mêmes festivités pratiquement que nous à la Charbonnière de Saint-Laurent. Un mois d'octobre chargé avec un menu à la carte pour chaque concitoyen, sans oublier la traditionnelle fête de Cayenne.